Hello tout le monde, c'est Geek Gamer Guy et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter dans Retro Value Magical Drop, un jeu sorti en 2000 sur Game Boy Color, développé par Conspiracy Entertainment et édité par Swing Entertainment. Bon, je vous laisse la musique pour cette review. Mais franchement, je trouve ça un peu con de pas pouvoir régler son volume, il faut soit se contenter d'une musique trop présente, donc trop forte, ou alors se contenter d'une musique tout bonnement absente. Par contre, on a le choix entre 3 niveaux de difficulté. Puis on doit choisir parmi 8 personnages, qu'on ne va pas réellement incarner, mais qui vont définir la partie et occuper l'arrière-plan, donc ils ont un rôle esthétique. Le jeu est un puzzle game appartenant à un genre habituellement réservé à des duels contre un autre joueur ou contre la machine, mais cette version Game Boy Color ne peut se jouer à deux que contre un autre possesseur de Game Boy Color et de l'équipement adéquat. En solo, comme vous pouvez le constater, l'écran n'est pas partagé en deux pour nous montrer notre rival, et pour cause, on n'en a pas. Le joueur dirige une sorte de bouffon, comme un cousin de Knight qui doit lui aussi récupérer des orbes, mais pour les assembler par couleur et en colonne, afin de les faire disparaître. Et en fonction du personnage sélectionné en début de partie, les orbes de couleur apparaîtront dans un ordre et à un rythme différent. Et donc, à chaque personnage correspond une certaine stratégie, et par conséquent, on peut dire qu'à chaque personnage correspond un certain type de joueur. A l'origine, Magical Drop est sorti dans les salles d'arcade en 1995 pour nos amis français, et il appartenait à la compagnie Data East. Le jeu a été un succès et a fini par connaître des suites et par être porté sur différents supports, Neo Geo, Super Nintendo, Sega Saturn, etc. Apparemment, le dernier jeu de la série à être sorti en support physique, c'est cette version Game Boy Color. Il y a eu une version pour la Neo Geo Pocket Color qui est sortie aussi peu de temps avant celle-ci. À l'heure actuelle, c'est Gmod qui possède la franchise Magical Drop. On peut être en droit de se demander comment ce puzzle game, finalement sans grande prétention pour l'époque, a pu se hisser au rang de classique du genre. Et c'est probablement la popularité de la Neo Geo AES qui a joué un rôle dans le succès de cette série avec Magical Drop 2 et 3. Évidemment, comme dans tout bon puzzle game qui se respecte, le but à atteindre dans le gameplay, ce sont les réactions en chaîne. D'ailleurs, c'était le titre du premier Magical Drop aux États-Unis, Chain Reaction. Il y aura parfois des items magiques qui se trouveront parmi les orbes et qui aideront le joueur. Mais il y aura aussi des bulles parasites, histoire de briser un peu l'aspect rébarbatif. Mais c'est surtout en prenant des risques que le joueur pourra réaliser de jolis combos, et autant dire que pour cette rétro value, je n'ai pas vraiment brillé par mes exploits, et j'en suis bien conscient. Le jeu a pourtant une prise en main très simple, un bouton sert à aspirer les orbes, un autre à les renvoyer, et enfin on se déplace avec gauche et droite. Et on peut quitter l'écran par un côté pour réapparaître de l'autre. Il faudra d'ailleurs apprendre à optimiser ses déplacements pour être rapide,
Et je dois dire que je manquais encore d'expérience quand j'ai réalisé la capture vidéo. Il n'y a donc pas grand chose à admirer, mais au moins ça vous donne un aperçu du jeu. J'ai fait une partie plus récemment et j'ai obtenu un score plus raisonnable de 101 456. Et cela prouve que dans ce genre de jeu, il faut bien sûr pratiquer pour s'améliorer, mais c'est vrai pour tous les jeux vidéo et pour tous les aspects de la vie en général. Bon, je suppose que je n'ai pas besoin de vous dire que parce que le gameplay nécessite de voir les couleurs, le jeu n'est pas compatible Game Boy noir et blanc. Par contre, je pense qu'un daltonien, il pourrait jouer à ce jeu. Bien sûr, il y a des orbes verts, mais par contre, j'en ai pas vu de rouges. Ce qui s'en rapproche le plus, ce sont des orbes bordeaux. Et donc, vu que les orbes verts sont quand même dans un vert très clair, et les orbes bordeaux dans un bordeaux assez foncé, je pense que même un daltonien, il doit pouvoir jouer, parce qu'il voit la différence. Donc, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le jeu n'est pas compatible Game Boy noir et blanc, et info à prendre avec des pincettes, parce qu'après tout, moi je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais le jeu doit être compatible joueur daltonien. Et voilà, la partie est terminée, cette rétro value aussi, elle est terminée, merci de l'avoir regardé. Alors même si j'ai fait un score relativement minable, le jeu m'invite tout de même à marquer mon nom. Et chose curieuse, je vais figurer dans le top des scores du jeu. Donc il n'y a pas vraiment de challenge à ce niveau-là. Et ce qui est dommage, c'est que le jeu ne sauvegarde pas nos scores. Une fois qu'on éteint la console, c'est fini. Mais bon, je vous le recommande quand même, parce que je me suis bien marré.